Ladies and gentlemen, bonsoir à tous, c'est Dark Even et bienvenue pour le relancement de Moduction saison 8. Oui, vous le savez, alors j'en avais parlé un petit peu, mais peut-être que certains n'étaient pas au courant. Les 300 modes, alors ça se passait bien, c'est vrai, hein, le serveur tenait et clairement on avait la possibilité de pouvoir continuer avec cette aventure sur MC Eternal. Hein, donc c'était la première aventure, le premier live. Certains posaient la question, est-ce que les premiers épisodes de MC Eternal seront postés? Donc il y aura une vidéo qui résumera ce live quand même. Donc il y aura quand même, ce sera l'épisode 1, voilà, et le prochain ce sera l'épisode 1,5, plutôt je parlerai l'épisode 2, et voilà. Donc ce fut un faux départ, alors qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Alors ça a été très périlleux, parce que j'ai décidé tout simplement, eh bien, de créer un modpack moi-même de A à Z, et qu'on puisse reprendre l'esprit éternel, et qu'on puisse donc avoir le même truc, mais avec les modes qu'on veut pas, les trucs qui font laguer, on les tège, et qu'on ait enfin donc, eh bien, l'aventure que l'on souhaitait faire. Donc j'ai réalisé, à l'aide, eh bien, d'entendu de tous ceux qui étaient présents, eh bien, le modpack, un modpack de 170 modes, qui sera donc le modpack de Moduction saison 8. Ce qui fait qu'on n'a pas les quêtes non plus, mais on fixera nos propres objectifs, et ça tombe bien, parce qu'en plus, on a pas Zoé Guinette qui nous ont rejoints sur cet épisode, donc du coup, il va y avoir pas mal de choses, hein, très très cool, et du coup, ça fait extrêmement plaisir. Je suis en compagnie de Atlantica, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Azen Ching. Oui, salut, petit panda, ici, Azen Ching. Nous avons Gigic. Bonsoir. Nous avons Guinette. Salutations, joyeuse compagnie. Nous avons Pazou. Bonjour. C'est mon caillou. Non, c'est pas moi, j'ai un ennemi, j'étais en train de twerker. Donc oui, effectivement, alors il y a Dark Shadow qui va nous rejoindre juste après. Effectivement, ce sera comme les anciens Moductions, c'est-à-dire les anciens Moductions, on n'avait pas de quête. Mais c'est vrai que c'était plus pratique pour moi qu'on puisse faire un modpack, parce que surtout qu'en fait, il y avait des soucis de génération, de trucs. Et donc, MC Eternal, en soi, ça aurait marché, mais c'était très bordélique sur plein de points. Il y avait beaucoup de choses qui étaient très instables, et je pense que MC Eternal, c'est cool quand t'es en solo, mais quand tu le fais le faire avec 8 ou 9 personnes en même temps, c'est lourd, c'était gourmand, il y avait des modes très très gourmands, donc on a réduit les choses. Donc, nous voici donc enfin de retour donc sur un nouveau modpack. Oui, vous pourrez avoir le modpack, je vous le mettrai dès que la première vidéo YouTube sera sortie, évidemment vous aurez tous les liens. Donc c'est le début d'une nouvelle aventure encore une fois. Guess who's back, on y retourne, du coup. Et Tommy est là. Et Tommy est là, c'est vrai? Oui. Oui. Incroyable. Bonsoir Dark Shadow. Bonsoir. Bah, t'arrives pile poil au bon moment. Eh bah parfait. Nous sommes. C'est son deuxième prénom, pile poil. Je vais comme le vent. Donc, les objectifs premiers, évidemment, ce sera de se faire une petite baraque, de se poser, etc. Au revoir, Tommy. Alors, si vous n'avez pas vu le dernier épisode de Vintage Story qui est sorti pour comprendre un petit peu ce qu'on avait fait, ce qui était une improvisation totale de la part de Pazzo, qui était très cool, Pazzo la voyante, il l'avait fait du coup, là, sur Vintage Story. Maintenant, c'est sorti l'épisode final. Et du coup, on veut faire des petits épisodes un petit peu RP, on va dire, où il y aura des petites scènes, des petites choses qui seront organisées par Pazzo. Voilà, donc il nous fera des petits jeux comme ça un petit peu de temps en temps. Donc il y aura des passages à un moment où on sera plus dans l'exploration de l'île, mais il y aura des petits events, on va dire, organisés par Pazzo. Ce sera marrant, je pense que ça créera voilà, des petits trucs sympathiques, hein, un petit peu comme vous l'avez vu avec Fous-moi la paix, notre chère voyante. Voilà. Les choses que je voulais préciser pour ce modpack, qu'est-ce que c'est que ce modpack? Qu'est-ce qu'il y a dans ce modpack? 170 modes. On va dire qu'on est très orienté magie, je crois qu'il y a 7 modes de magie au total, dont Tomcraft, Blood Magic, Vampirisme, Nature Aura, on a voilà, plein de petites choses comme ça au niveau donc magie, des choses qu'on n'a pas fait depuis. En industriel, on a été très léger, justement ce qu'avait MC Eternal qu'on voulait pas, parce qu'on voulait pas partir trop en industriel. En industriel, il y a 3 modes, il y a toute la série thermale, il y a Ender IO, et en troisième, Extreme Reactor. Voilà, et Extra Utility 2, voilà, Random Things un petit peu pour les petites choses. Après, on a beaucoup de mods, donc, qui sont des mods style créature. Ah, il me perturbe les yeux, j'ai l'impression que je clignote, là, arrête. Arrête de twerker, là, ah, j'en peux plus, je te regarde plus. Pazzo est déjà parti sur un lama. C'est déjà possible de faire ça, là? Écoute, apparemment, oui. Tu l'as apprivoisé? Non, du tout. Non, tu peux monter dessus avec le clic droit, c'est tout. Ah oui, d'accord. Un lama avec un cul de panda. Est-ce qu'on est tous prêts, du coup? Ça va Le tournisazou. Tout le monde est là. Est-ce qu'on est prêt à se mettre en survie, ouais, à relancer le jour? Ouais. Allez, donc vous en faites pas. Vous aurez le temps. Merci Atari, nouvelle série, nouveau dos, continue comme ça avec toute ta team, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup Atari, c'est très gentil. Alors déjà, on va essayer de se trouver un endroit où il n'y a pas de... Ah, c'est quoi ce sol?
Ouais, faut pas tomber dans. Oh, c'est de la boue. Qui c'est qui s'enlisait? Personne. C'est pas du sable mouvant, c'est la boue. Non, ouais, on peut pas s'enfoncer dedans, c'est juste dégueulasse. Quoi. C'est de la boue. Ah, mais d'accord. Ah, mais ça te ralentit, par contre. Ah, mais ouais. Ça te ralentit à mort, on croirait de la soul sand, quoi. Petite base. Moi, je serais chaud pour qu'on traverse la mangrove ou. Ouais. Alors, on a un Mesa, c'est intéressant au spawn. Je dote. Merde. Je vais peut-être. Est-ce qu'on peut se faire un bateau? Ça, c'est toujours le problème. Hop. Alors. Bon, Tommy. Oh, ça fonctionne! Comment vous avez fait ça? De quoi? T'as un contrôle hors excavation. C'est hors excavation qui fait ça. Vous venez avec nous, faites-vous un bateau, on se casse. Ouais, 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 ouais. Mon anglais est très très mauvais. Faites pas des on bateaux. On peut manquer à tout pour les bateaux, hein, normalement. Attention, c'est un mob ça. Fais gaffe, fais gaffe. C'est un mob. Ah, faut pas l'énerver celui-là. C'est primitive mob. Ah, voilà, il me chase maintenant. Comment tu tapes en sneak? Non, en fait, t'as un contrôle à changer. Tout en appuyant, en fait. T'as... Allez, venez. On peut pas monter à deux dans un bateau? Si, tu peux monter à deux. Parce que je coule. Parce que moi, je suis poursuivi par une sangsue nénuphar là. Laisse-moi tranquille, toi. Voilà, Jujupte, je suis avec toi. Ouais, j'ai la flemme de conduire. En fait. J'arrive pas à casser le truc. Allez, on se casse. Viens t'es. J'arrive c'est pas bon à conduire, alors je préfère me faire emmener. Toi qui es une super pilote de voiture. C'est mieux. Allez, le cobatorage plutôt. Pilote de voiture, non, je suis pas une super pilote. Hein. Tesque. Ouais, j'ai vu le dragon d'eau, il fait pur, hein. Un dragon d'eau. Ah non, c'est qu'il a un chapeau. Il a un chapeau. Un dragon d'eau. La bête féroce. On en a vu. Ah, par contre, il y a des oiseaux d'Ison Fire. Oh là, puis il y a les trucs des vampires. Ok, on est mal. Voilà. Oh là. On va essayer de. Là, vous avez. Franchement, survie, vous avez vraiment pas peur de traverser. Regarde, j'ai même pas peur. The Pig of Destiny. C'est le cochon du destin. Je le casse pas, lui. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, faut pas tuer le cochon du destin. Aïe. Ah bah oui. Fait attaquer par quoi? C'est quoi? C'est le cochon du destin. Ouais, il y a des poissons, il y a des trucs. Et Atari qui offre un sub. Abriel, merci beaucoup Atari, c'est gentil. Oui, ça tire. Oh là là, les gars, dépêche-toi. J'ai trouvé une forêt. On peut se faire une maison ici. Ici on est bien. Venez. Aïe. Aïe, il y a un vampire qui te frappe. On frappe pas les femmes, connard de vampire. Venez ici, c'est bien. Vas-y, mords-moi toi. Non, tant que tu dis pas l'autre mot, c'est bon. Quelle merde. Ici, ça peut être pas mal. Alors, sous les bois, par contre, ça oh, peut... j'ai le sanguinaré vampiris. Déjà. Ça va faire popper beaucoup de monstres, donc on va peut-être... on va continuer de courir. Un petit peu. Ok. Oui. Ouais, hein. Un petit peu. Oui, chef. On s'enfonce, là. On sort de la forêt, on essaie de trouver un petit endroit plat, pas trop chiant, parce que là, cette nuit, ça va être horrible. Donc j'espère... Ah, à droite, il y a de la plaine. C'est bon. On a trouvé. Oula, je tiens à dire que... Ah, il y a un dragon. Sauvez-vous. Il est en train de cramer la forêt. Au secours. Oh putain, un dragon, j'ai pas vu. Il est poursuivi. Je me suis dit, pourquoi vous courez? Et je suis en trottant et je vois le dragon. Ouais, et vous retournez pas. Je cours pas dans le bon sens. Oh putain, le dragon. Il est juste à côté de toi. Ah non, ça va, il m'a poursuivi vous en fait. Ah non, ça fait mal. Ah bah voilà. Je suis mort. Bah moi j'ai pas trop envie de vous rejoindre en fait, parce que vous avez un dragon près de vous. Mais ça fait mal. J'ai été tourné en KFC par le dragon, quoi. Oh putain. Mais c'est quoi le nom de mort? C'est qui a fait ça? Non mais c'est eux dans leur mode, ils ont mis ça. Lol. Putain, mais le dragon dans la forêt. Eh mais la plaine c'est bon, mais y'a le dragon qui gêne, putain. Ouais, mais t'inquiète, je meurs pas. Les autres qui lâchent 5 subs, merci beaucoup Zod, c'est très gentil. Mort le dragon! Oh putain, merde, y'a un boss. Fais gaffe, fais gaffe. J'ai déjà faim. Faut qu'on se barre. J'ai récupéré 12 cranberries. Ah non, diorite, tombstone. C'est qui qui avait dit déjà? Ah ouais, c'est un super spawn, c'est moi. Ouais, c'est ça. C'est super endroit pour commencer la partie. Le dragon peut pas le semer, on est d'accord. Moi j'ai essayé, mais j'avais faim aussi, donc je sais pas si. Bah moi c'est pareil. Oula, j'ai c'est quoi là, ça? C'est un fantôme? Oula. Ou c'est quoi ces monstres là? Oh putain, je suis en train de trouver des trucs là, je suis en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est quoi, est-ce tombe, que c'est un bon spawn au final? Ah oui, baisser le chunk des dragons. Oh, j'y ai pas pensé. C'est vrai qu'on aurait pu baisser le, le on chunk. Aurait pu, on aurait pu, ouais. On aurait pu beaucoup même. J'y ai pas pensé, putain, j'ai tellement semé, hein. Ça va, y'a pas de dragon. Par contre, on est tous à des endroits différents. Ah bah là j'ai faim. Attends, elle est où ma tombe? Là, dis-moi, on se pose là, je pose la maison instant. Ouais. Oh putain, y'a Creeper juste à côté. Oh putain, j'ai peur. Bon, on se pose où? Ouais, là, hein, la plaine.
ici. Ah, y'a Pazzo, il est mort. Juste devant nous. Mec, on pose une maison là. J'ai posé ma maison. Allez, posez. Viens, 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 on va dans la maison de Pazzo. Ah. Déjà? Oui, bah oui. Ah oui, c'est vrai. Déjà? Bah oui, il l'a construit là. C'est un speed builder. C'est ça. Je me suis dit, waouh, il est trop fort, Pazzo. Ah, toi aussi, t'es un vampire. Coucou. Putain, je suis un vampire. Ah, c'est pour ça que le vampire. Ouais, t'as le sanguinaris vampire. Putain, ils m'ont piqué. Ah oui, le vampire m'a piqué. T'as piqué. Bah, on est deux. Ah, piqué de dard. Oh putain, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? Fais gaffe, t'es un tech, yo! Quoi? Oh putain. TNT, Caillou. Gigi, l'autre côté! Qu'est-ce qui se passe là quand on se transforme en vampire? Il se passe quoi? Non, ah bah non, là, tu vas te transformer, hein. Là, dans toute une nuit, genre demain matin. Voilà, Gigi, la porte. Oh, Gigi qui a pas été. Ça peut plus trouver la porte. Oh, c'est trop bien! Les échelles, on les monte super rapidement. Oui, j'avais mis un mode pour ça. Non, mais Gigi, Gigi, bah bravo! Gigi, la porte, putain! T'as fait spawner 800 portes, elle arrête ici à s'écraser contre notre mur et le laisser péter quoi. Elle a explosé ma maison. Ta maison. Ouais, mais en même temps, il y a trop de monde. Maudite sur dégénération. Moi, je suis dans la merde là. Moi, je m'enferme dans un trou. Vous me dites dès qu'il fait chaud. Parce que là, j'ai vampire face à moi, j'ai une sorcière, j'ai la totale. Bah, dis-toi que si tu viens, t'auras deux vampires. J'ai refait une maison à côté. J'ai refait une maison à côté. Il te fera des bisous. Et vous venez pas vous écraser contre moi. Donc moi vous m'appelez dès qu'il fait jour, c'est bien. Vous viendrez voir ma maison quand vous aurez survécu la nuit. Moi c'est bon, j'ai pris ma... Je suis prêt. Alors j'ai deux Oak Apple Gal, je sais même pas ce que c'est. S'il meurt, comment ça? Bah s'il meurt, il redevient un homme normal. Non, s'il meurt, il reste vampire. Oh la vache. Donc là c'est la TQ. Il plante un pieu dans le cœur. Ah là il y a des chances merde que... on vient de se mettre quoi. Mais IRL par contre, hein, pas dans le jeu. Ah, oh, c'est chiant les particules. Ah, j'ai trouvé de l'uranium. C'est bon, je peux faire du. Faire la TNT nucléaire. Tira, t'es où? Bah, je suis dans ma maison. Ah, bah, oh putain, tu m'as fait peur avec ta tête de creeper. Hé, Raph, t'as vu? Ah, y'a une deuxième baraque? Oui, quand la vidéo sort, vous pourrez avoir le modpack. Et hey, Raph, si tu deviens vampire, tu peux prendre un peu de sang de voilà. De moi. Il allait dire. De moi. De moi. C'est bon français, ça. Oui, Éclairion, c'est un nouveau départ avec un autre modpack qui est basé sur MC Eternal, mais une version plus light, plus server-friendly. Alors, sauf pour Tommy qui a pas réussi à ce coup, j'ai pas compris pourquoi. Alors, je vous propose que ça marchait l'après-midi. Et Tommy, ferme tout. Redémarre ton PC. Ouais, c'est ça. On fait un périmètre et après on met les torches partout, etc. Je vous propose une chose, je sais que je vais être chiant, mais je pense que je vais couper le serveur pour modifier dans la config rapidement le spawn des dragons, parce que sinon en fait ça va être juste l'apocalypse tout le temps. Bon anniversaire Zone. Ah bah joyeux anniversaire, et puis merci encore pour les subs, hein, c'est gentil, merci beaucoup. Quand ils fêtent leur anniversaire, j'avoue, ils me font des cadeaux, genre ça marche pas comme ça les gars, mais c'est gentil. Si jamais, c'est mon anniversaire. Oh, regarde Zod. Tu recommences. Merci Zod. Merci Zod. Oh, alors, il n'y a pas les mobs à 3500 PV, on a découvert que c'était MC Eternal qui modifiait, parce que j'ai remis le mode pour voir. Et donc, pour répondre à votre question, ce mode de base il a 20 PV. Voilà, donc MC Eternal ils ont dit non, 3500. Voilà, donc ça y est, on y est, début de l'aventure. Alors, Astral Sorcery. On a l'air d'être pas trop mal là pour le coup. On a oui, c'est bien. Pas trop mal. Et là, on commence tout de suite. Tommy, essaie de te retourner, je te vois, moi. Est-ce que tu peux? Oui, Tommy, là. Ah, la TNT. Ouh, ouais, mais... Ah, attends, je bouge, c'est bon, là. Moi, là, je suis en train de bouger. Ah, bah non, tu bouges pas. Ouais, voilà, je bouge pas, non. Bon, bah voilà. C'est quoi ce piège? Je me jette dessus en mode first. Je me suis fait défoncer. Bah oui. Bonjour. La génération, elle est dégueulasse, là, du truc d'Astral, là. Ah ouais, poubelle, tout. All Dimension 1, Waypoint. Voilà. Ça va, Asn? Eh, hey, je suis enfant! Allez, profitons-en, je suis enfant! Attends, Tinker. Alors, Tinker Construct, d'ailleurs, pour en parler, on a Alloy Tinker qui rajoute aussi plein de matériaux. Donc, du coup, on va avoir pas mal de choses dispo. Ça, c'est cool. Il arrive pas à bouger. Mais c'est ouf, quoi, mec! Ça, moi, je comprends. Toute l'après-midi, ça a marché. Ouais. Toute l'après-midi, t'es venu.
C'est mini moi. Et t'es mini moi. Rien machin. Y'a rien. Ah oui, ça c'est Primitive Worm. Eux, je crois qu'ils font pas. J'ai l'impression qu'ils sont pas méchants, mais ils suivent partout. Mais c'est ça te dit quoi en message, ouais, Tommy? Ah, justement, là, ça y est, j'ai déco, et le message va apparaître. Attends, je regarde sur le serve. Attends, je peux regarder les logs. Ouais. Hein. Je vais tendre un arbre. Ouais, et du coup, moi, je. Tadam! Où c'est que je peux me mettre? Ah oui, on dirait que c'est ton fils. Pouf! Bah, je vais essayer de me mettre à côté de Dark. Aïe. Moi je me suis fait ma petite pyramide, c'est bon. Bon, c'est tu impeccable. Sais, Tommy, la fusion, il faut mettre les doigts relevés pour faut que j'essaye de me mettre assez loin pour pas que je te touche. Ah, fais un preview, hein. Hésite pas à faire un preview pour voir où est-ce que ça. Ouais, où ça donne. Où est-ce que ça joue, ouais. Elle est pas belle la pyramide. Bah, ça tombe bien parce que comme ça, ça veut dire que j'y resterai pas longtemps. Non mais c'est des maisons starter pack, hein, c'est pas censé être non plus... heureusement qu'on se fait pas un giga building super beau. Ah, y'a la maison du Hobbit là. C'est qui a pris la maison du Hobbit? Ils sont deux à avoir pris la maison du Hobbit. Allez, moi je prends la maison de glace, comme ça on saura... Oh, je me fais attaquer par mon propre cactus. C'est la reine des glaces. C'est celle-là la mienne. Alors Gigic, invoque la maison. Vas-y. Et calme-toi. Et délivré. Construire. Hop là. Oh putain, et c'est apparu juste à côté de ma figure. C'est le diable. Oh putain! Il y a de la lave, fais gaffe. Ouais, bah... Va dans ta mine! Je stresse partout! Oh putain, il y a quelque chose qui fait peur là, c'est quoi? C'est un vampire! Je ferme la porte! Ah, oh, j'arrive! Putain! J'ai fermé la porte! Oh, je suis mort! Oh, il y a un poulpe de lave. C'est vrai que Gigi, qu'elle avait jamais commencé une aventure avec nous jusque-là. Elle était venue en touriste, mais là maintenant, c'est... C'est quoi ce bruit qui a crié, là? Elle est où, ta c'est maison, toi, en fait. C'est toi qui a crié, Gigi. Je suis près de l'eau, moi. Ok, oh, un vampire, j'arrive. Trop bien. Arrête, ah, oui, ne stresse pas. C'est toi qui crie. Gigi, c'est toi qui crie. Désolé. Non, il y avait... J'ai entendu un dragon crier. Il y a rien qui va. Hey, Raph, t'as des habitants juste à côté de toi? Non. Oh non. Il a tué le vampire. Oh putain, putain, il crache. Il y a bien... Mais qu'est-ce que tu fais, Ars, putain? Il crache les flammes. Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu un dragon, je suis pas folle. Non, il y a un poulpe des flammes. Ok, donc Cleb, il a commencé à se transformer en vampire. Qu'est-ce que tu veux? On est chez qui, ici? Chez moi. Ah d'accord. Casse-toi. Tu m'as... Je sais pas chez moi, je me dis. J'avoue, t'es pire du que moi, tu sais. Oh non, mais. Et c'est trop violent, tiens. Raph, je te lègue ça. Ouais. Et je me casse. Je te lègue ça. Oui, parti. Oh putain, j'aurais pas dû partir parce que ça va prendre 3 plombs pour me connecter. T'as carrément arrêté le launcher? T'as fermé ton launcher? Non, j'ai juste déconnecté. Même déconnecté, ça prend 3 plombs. J'aurais pas dû faire ça. Oh putain, j'en peux plus. Bon, pendant ce temps-là... C'est pieuvre de lave, là. Non. Oh merde. Non. Mais putain, mais j'y crois pas. Arrêtez le launcher. T'as fermé ton launcher? Non, j'ai juste déconnecté. Même déconnecté, ça prend 3 plombs. J'aurais pas dû faire ça. Je suis content. Là, il a looté ça. Dans une autre maison. Mais t'as pas honte, Raph? Mais parce qu'en fait, je pouvais plus cliquer sur mon point de spawn. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ça y est. Si vous voulez dormir, bon, là, on peut repasser la nuit. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je suis couché, hein. Si on est 4 à dormir, là... J'ai trop peur. Il nous manque une personne pour aller dodo, c'est bon. Ah, voilà. Ok, par contre, c'est pas pratique. Ah, t'es sûr, t'es de la maison. Dégage. Le lit qui t'éjecte direct. Bonjour, tu dégages. Je le mets là, c'est bien là. Non, en fait, non, c'est pas une bonne idée. Gigi. Quoi? Oh, j'ai Frostwalker. Merde. Mais c'est pourquoi tu construis pas ta maison? Il va la construire, mais ici, dans sous-sol. Dans la mine en bas. Ouais, c'est mieux. Ah, tu veux la construire chez moi? Mais non, mais pourquoi il va squatter chez tout le monde? Attends, tu voulais pas squatter chez moi et maintenant il dit c'est Gigi. C'est quoi ça? Non, parce qu'en fait, chez toi, il y a plein de lave. Donc du coup, ça me met pas en confiance. Sens. Wow. Ah. Oula.
Qu'est-ce... Ah oui, effectivement, qu'est-ce... toi, t'es vraiment... Oh, qu'est-ce que tu fais, putain. Ok, il crache vraiment beaucoup du feu. Ah oui, je t'avais dit, hein. Je t'avais dit. Pourquoi j'ai crié depuis tout à l'heure? C'est pour ça, en fait, c'est trop un gros lâche. Il est venu, il a miné chez moi. Il a dit non, je me fais attaquer. Il s'est cassé. J'ai pas mis de torche encore. Faut que je fasse, Ouais, il y a la dame des flûtes, ouais, on a gardé le modra. Je suis Nick Talop, je vois tout. Ouais, c'est ça, ouais. Tu portes bien ton... Ouais. Derrière toi, il y a des monstres qui vont spawner chez Gigi, hein. Ah bah, je vais le buter, hein. De toute façon, je rebouche, hein. Il se débrouille, ouais, hein, il sort où il veut, après. Vas-y. T'inquiète pas. Ouais, il rebouche. Alors, moi, je rebouche. Alors, la ranch, le hobbit... Oh, le hobbit dans une grotte. C'est cool, ça. Attends. Le hobbit dans une grotte, ça faut faire ça. J'ai trouvé du diamant. C'était beaucoup trop rapide. Mais non, rapide. Tricheur. Attends, je déconne pas. Build. Par contre, j'ai du diamant, mais j'ai pas de fer. Hé, Jig, viens dans ma maison. Hé, hey, Raph, putain, hey, c'est génial. En fait, le mec, il est en vacances, il est à Ibiza, quoi. je fais ma maison. Tu sais, l'échelle pour tomber, y aller jusqu'à ta mine. Bah, juste en dessous, il y a un diams. Pile poil bon. Mais non, tu vas pas. Hey, c'est mon diable, tu touches pas mon diable, c'est en dessous de chez moi. Non, il est en dessous de chez moi. Ah, d'accord. Non, il est en dessous de chez moi. Je suis bien loin. Mais du coup, tu peux pas creuser, toi ? Bah oui, parce qu'en fait. J'ai hésité. T'es déjà à lui arracher son arbre. C'est pas grave. Ouais, tu vas partir dans l'autre sens, ok. C'est qu'un détail. C'est bien ça, mais. Du coup, c'est calme quand je parle. Attends, je le recherche comment ça? Ils disent pas comment le... Ah, Obsidian Nuggets, ok, j'avais pas vu. Eh, hey, vous avez choisi votre classe de... Moi j'ai pris mineur et tout, vous avez choisi votre classe? Bah, on ah a oui, pas comment de classe. On choisit la classe? Ah, faut assigner la touche, mais oui, c'est ouais, vrai c'est qu'on le skillbook. Ah, je l'avais dit, hein. Ouais, dans le skillbook. Ah, bah je l'ai pas fait. Ok, le skillbook, c'est quel mode? C'est le mode Level Up Reloaded. Et c'est quoi le Iron Ore Chunk? Bah c'est un style de minerai, un filon qui doit se récupérer autrement. C'est quoi le nom du mode que tu le pointes? Oh putain, j'ai... Rien du tout. Montre-moi ton truc. Donc, là. Tu peux servir à venir reboucher mes failles alors. Parce que j'ai une faille dans ma tête. Ça me sert à... Hein. Bah et quitte à vivre chez moi autant... Je te passe du fer, Digi. C'est quoi, Raph? Comment il va dire, je vais pas boucher les failles. Ouais, non, parce qu'en fait, on a. Tommy, t'arrives toujours pas? Ah, bah c'est Iron Chunk. Ah, parce que t'as le mode level up, donc ça te permet d'avoir plus de fer, simplement. Ok, c'est le mode level up qui fait ça, c'est grâce à ton skill. Donc c'est bien. Et comment j'utilise ça en fait? Au four, et ça te donne un lingot. Gigi, je te donne un diams pour le c'est le un loyer. Gamin. J'adore comment il se balade, il fait « Eh, ça fait quoi, là ?» Gigi, puis il repart en courant comme ça, c'est un enfant. Putain, j'étais en train de détruire du plomb et j'avais... Ouais, ça va. On joue un rôle ou pas dans ce jeu? Ok. Il est trop en mode « Eh, les gars, j'ai trouvé un truc, les gars, ça brille. » Cet homme est heureux. On joue un perso, pas. Bon, Gigi, d'ailleurs, tu veux un diams comme loyer? Bah oui, vas-y, mais garde-le pour toi si. Ok, c'est toi qui l'as dit. J'ai dit. J'en peux plus moi-même. Mais en fait, moi j'ai plein de trucs, mais j'ai pas ce qu'il faut pour les. Oh, Tanzanite, c'est une très belle pierre dans la réalité, mais. Ça. J'en peux plus moi-même, je suis trop con. Et Dark, est-ce que tu pourras. Est-ce qu'on pourra avoir le pas quand vous aurez fini? Quand la vidéo sort, soyez pas pressés parce que, comme je dirais, le live il y en aura un par semaine. Vous aurez fini le mode pack en une semaine. Donc je peux vous laisser attendre une semaine, juste le temps qu'on fasse notre petit truc. Je vous connais. Dès que vous avez le mode pack, c'est fini. Sky Factory 4, il vous a fallu 2 semaines hein, pour finir le truc. Nous, on était. On était sur le départ. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez regarder une petite publicité sur YouTube. Ça m'aide énormément. N'oubliez pas que nous avons les lives tous les soirs de 21h à 22h sur Twitch. Comme d'habitude, réseaux sociaux, Discord, Twitter, voilà pour les annonces, etc. Des gros bisous et à de prochaine, les amis.